Et what's up les gens, on se retrouve sur Mortal Kombat 10 pour la suite du coup du Let's Play, du coup du mode histoire hein, comme vous voulez. Chapitre 10 du coup, je me suis pile poil arrêté au l'épisode 9, j'ai mis pause, je vais le redémarrer du coup directement. J'espère que vous kiffez tout autant que moi du coup le Let's Play, l'histoire de Mortal Kombat, même si c'est un peu flou je pense pour vous, vu que vous n'avez pas joué, enfin je dirais la majorité n'ont pas joué au premier. Même pas capté qu'il y avait une histoire quoi. Enfin bref, on s'était arrêté avec du coup la résurrection de Shinnok avec l'amulette. Du coup, Quan Chi est mort, Shinnok a ressuscité. Les morts-vivants sont allés. Pardon? Les morts-vivants sont allés dans le temple du coup céleste. Ou un truc du genre, je sais plus c'est quoi. Donc là où il y a Raiden, on peut le voir avec le fond. Et puis voilà, on a toujours encore deux passes, donc vraiment, si le combat avec Liu Kang, j'arrive pas à le faire, je le passe, je next rien, c'est sûr et certain. Enfin, sur ce, je vous laisse avec. Tu ne vivras pas jusqu'au tournoi. Non! Ah, je vais pas remonter ça. Malheureusement. J'ai fait passer sans voir exprès. Du coup, ça a passé tout le combat et j'ai pas fait attention. Au moins, ça vous remémore. C'est déjà bien. Quan Chi! J'allais vous taper, du coup, la cinématique. Hein. Du coup, de la mort de Shinnok. Quoi, ce bon fail en début de Viens partie? Par ici. Get over here. Du coup, la phrase mythique, hein, que tout le monde connaît, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Du coup, le fameux axe amulette, je vous dis. Aestis Todé, Mystique Nippon, Nikon, Aikoda. Ah, c'est gore! C'est ce qu'on adore! Le sang pour le sang. Ta dette est payée. Comme ils sont petits. Celle-ci salue le seigneur Shinnok. Quan Chi a bien choisi ses disciples. Me faire réapparaître sur Terre derrière leur défense était judicieux. Ouais, mais parle plus vite, là. Quan Chi les a bernés. Il s'est laissé capturer. Il savait qu'il le mènerait ici. Quel dommage qu'il ne soit plus là pour voir son œuvre achevée. Tu ne me surprendras pas, Johnny Cage. Amenez-le. Bah, il dit ça parce que la dernière fois, du coup. Enfin, du coup, tout début, premier épisode, il l'a outplay Moi, avec. Monseigneur Shinnok. Technique spéciale. Mettons-nous en route. La Terre a envoyé des forces dans le Nether. Je sais. Elles seront neutralisées. Oh merde. Maman. Où est papa? Shinnok. Maman, maman, où sont-ils partis? Maman. Cage. Ton père. Prisonnier de Shinnok. Au temple céleste. Ben voilà, temple céleste, j'avais bien raison. Chapter 10. Raiden. Mon pire ennemi. Je sais absolument pas le jouer. Hein. Je crois que je vais être le seul mec sur Terre qui sait pas le jouer.
Même un gamin de 2 ans serait mieux le jouer que moi, je pense. Raiden. Raiden, mon vieil ami. Maître Borracho, je suis heureux de te voir. Cela fait bien trop longtemps. Bien trop, oui, bien trop. Entre vétérans, il faut s'épauler, hein? Assurément. J'imagine que ce sont les événements récents qui ont hâté ta venue ici. Oui, oui. Le retour possible de Shinnok m'inquiète. J'ai essayé de te contacter. J'ai craint le pire. Quand Kano s'est emparé de l'amulette de Shinnok, il a laissé un piège. J'ai dû parcourir nombre d'étranges royaumes pour le neutraliser. Je dois me retirer dans la chambre de Jinsei pour restaurer mes forces. Et tu penses la récupérer bientôt, l'amulette de Shinnok ? J'aimerais le savoir. Désactiver le piège de Kano m'a complètement épuisé. Quand j'aurai repris des forces, je parlerai avec le général Blade. Ah, si seulement nous avions détruit Shinnok lors de la dernière guerre. Si seulement il était mortel. Un dieu, quoi, il est mortel, quoi. Simplement. Et Raiden aussi, c'est un dieu. D'où le fait qu'il soit immortel comme Never, quoi. Comme c'est beau. J'ai l'impression de contempler les dieux anciens. Je continue d'espérer que nous pourrons inverser l'issue de cette crise. Comment ? Vois-tu, Quan Chi retient les âmes de nombreux êtres qui nous sont chers. Capturons-le, nous pourrons le forcer à les libérer. Et retrouver Liu Kang et Kung Lao. C'est sans doute possible, oui. Mais tant que Quan Chi reste en vie. J'ai longtemps déploré la perte de nos camarades emportés par les démons du Nether. Kung Lao et Liu Kang, des fils pour moi. Je bouleverserai jusqu'aux cieux pour les ramener à la vie. Maître Bo Rai Cho avait raison. Les maîtres Shaolin sont à bord du vaisseau. Il devrait y avoir 2 vaisseaux. L'autre est déjà parti. Nous devons identifier sa destination. Ils parleront. Je m'en assurerai. Pas de violence inutile, Kung Lao. Ils ont attaqué l'Académie Wuxi, tué Maître Wen. Même pour les Tarkatan, certaines limites ne doivent pas être franchies. Bien, Seigneur Raiden. Pourquoi Shao Kahn a-t-il jugé bon d'ordonner une attaque aussi audacieuse ? Il voulait prouver la vulnérabilité du Royaume Terre. Il savait que nous n'aurions pas d'autre choix que d'accepter un nouveau tournoi. Liu Kang a vaincu Chang Tsung. Il battra Shao Kahn. En temps voulu, Kung Lao. D'abord libérons les Shaolin. Ils sont tous à bord. Celle-ci va suivre le courant. Nous sommes prêts. Shao Kahn exige qu'aucun mal ne soit fait aux otages. Leurs blessures sont mineures. Je l'espère, Baraka. Pour ton bien. Pour le tien également. En cas de problème, tu le regretteras. Actora! Les Tarkatan sont donc si peu coriaces. Et Baraku, je ne te crains pas, Raiden. Tu ne vivras pas jusqu'au tournoi. Oh la merde. J'ai grave focus sur ce que je faisais là. Bon bah dommage. Wouah.
Bon, ouais, j'aime pas du tout le perso, du coup, ouais. Kunlao, comme je disais, c'est un peu un rageux. En fait, il est fort, mais du coup, voilà quoi. Le fait qu'il soit content, et qu'il ait. Comment ça s'appelle? Réussi à gagner des Mortal Kombat, etc. C'est un peu haineux. Bon, du coup. C'était le premier avant combattant. C'est pour ça que là, on voit encore en vie, avant qu'il meure. Normalement, il meurt. En fait, c'est chelou, normalement, il meurt. Je pourrais même pas expliquer. Boum. Un peu chelou le combat là, je vais pas vous mentir. Il faudrait que même moi je regarde le truc. C'est sans gloire que tu rentreras dans les plaines. Et que je refasse pour me rappeler, me remémorer plutôt. Écarte-toi. Sacré gameplay. Quelle puissance! Qu'es-tu, Raiden? Je suis vérité et lumière. Je protège la Terre. Celle-ci se moque de la Terre. Il ne vénère aucun dieu. Voilà un skin ou quoi? Ah, dommage. Je vais essayer de faire le fatal ici. Désolé si je parle pas beaucoup pour Aiden. Hein. C'est vraiment, j'essaie de me focus pour pas mourir bêtement comme un cochon. Parce que je maîtrise archi pas le perso. Quand un dieu parle, écoute-le. Je n'ai pas été impressionné. Beaucoup de bruit pour rien. Libérons les âmes prisonnières du vaisseau. Tu te mettras ensuite en quête de l'autre. Où iras-tu, Seigneur Raiden? Le tournoi va bientôt commencer. Rejoignez-moi dès que possible. Nous réussirons, Seigneur Raiden. De ça, j'en suis sûr. Il est over prétentieux. C'est ça le problème de Kunlao, je pense. Boracho. Boracho. Bon bah là je peux pas faire grand chose. Hein. Encore un de tes alliés qui ploie devant moi. À sa mort, je prendrai son âme.
Tu ne connais pas son pouvoir. Son âme ne peut pas être asservie. Devons-nous le tuer, Seigneur Shinnok? Pas encore. Je veux qu'il soit là quand je prendrai son royaume. J'en ferai alors mon prisonnier, comme je fus jadis le sien. Tu cries victoire un peu trop vite, à mon avis. J'ai déjà gagné, Raiden. Bon, un peu trop prétentieux, lui aussi, quoi. J'ai récupéré mon chapeau, je te défonce. Kung Lao, assez! Je sers Shinnok et le Nether. Parce que Shao Kahn t'a tué. Et tu l'as laissé faire. Mais bon. Moi, je provoquerai ta chute. Focus absolu. Je me protège énormément, d'habitude je me protège pas, j'enchaîne les gens et tout, mais là... Oh bâtard. Protégé là par contre. Un peu le seum. Bon, il m'arrête. Ça fait 1-1. C'est chiant parce qu'il se protège à chaque fois que je vais faire le truc. Le prochain, s'il est comme quand j'avais fait la première fois, il va me spam la même attaque et ça va être chiant. Donc là, il va falloir vraiment que je me protège, mais en permanence. Hein. Et que j'attaque le peu de fois que je peux. Tu méritais un destin plus heureux. Enfin, si je vois qu'il est open comme Never et qu'il fait moins de trucs, voilà. En fait, si vous voulez, les... Ugh!
Elle n'est pas ta destinée, Liu Kang. Encore tes visions, Raiden ? Vois-tu toujours le futur ? Il n'y a plus de vision, mais je sais ce qui doit être. C'est ta main qui m'a mené ici. Un accident, que je me reproche chaque jour. Je devrais te remercier. Tu m'as libéré. C'est Dieu que tu sers aveuglément. J'aiderai Shinnok à les annihiler. Total, je peux genre strictement rien faire. Non mais... Ça va être chiant, ça va être chiant, je sais. J'aiderai Shinnok à les annihiler. Là il a fait son coup trop total, hein. Dites-vous que j'étais à deux doigts de crever. Dites-vous que quand c'est un bot, il peut faire le compte bah, tellement n'importe quel moment que c'est imprévisible. Genre. Toujours faisable, je garde mon Lucci pour la fin, Lucci je lui mets. Là il fait son contre, hein, dites-vous. Putain, j'étais dans la merde. Ok, là. Nice. Je voulais juste qu'il saute. Ah, j'étais pixel. Wouh, deux tries. Dites-vous que ça, je l'ai fait en 30 minutes quand j'étais solo. Parce que là, dites-vous que l'attaque, là, les coups de poing et le saut avec le pied, il le spammait le bot. C'était horrible. On a réussi, c'est déjà bien. Oh.
gerbe de sucre là. Le ginsei. Tu ne profaneras pas le ginsei, Shinnok. Notre combat dure depuis trop longtemps. Il s'achève, enfin. Même maintenant, d'autres viendront pour te battre. Chapitre 11, Jackie Bridge. Bref, je vous laisserai vous abonner, lâcher un like. Shinnok s'est transformé et puis voilà, Chuck quoi. Il est devenu un big boss. Et on va voir ce que on va voir. On va voir si on peut le battre et puis on verra. Chapitre 11, là, c'est Jackie Bridge. Normalement, vu qu'on a déjà fait Takeda et Kyun Line, donc normalement, il resterait à 2 épisodes. Donc, ça va se finir au chapitre 12. Sur ce, je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche. Et merci d'avoir suivi. J'espère que vous kiffez. Et rendez-vous au chapitre 11. Salut, salut.